Bon, alors je te raconte l'histoire. Cette nuit, t'as pas entendu Nono? Si. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'entends Nono pleurer. Qu'est-ce que je fais? Je sais qu'il est malade. Je me lève du lit en urgence. Je cours. Je risque de glisser. Je glisse sur mon tapis. Je monte. Donc là, je vais prendre Nono. Le petit Nono qu'il y a derrière là. Je vais prendre Nono. Hop, je le sors de son lit. Monsieur a envie de descendre les escaliers. Il est tout grinchant. Il me dit, en bas. Je lui dis, non, il est 2h du matin. Tu peux pas descendre. Alors là, je lui dis quoi? Bah, va te recoucher. Je vais pas le remettre dans son lit. Mais non, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de vomir sur moi et son doudou. J'avais tout plein de vomi sur moi et sur doudou. Entre temps, il y a papa qui monte. Toi, tout, on change tous les draps. Allez hop, tout au lavage. Voilà. Ensuite, on le recouche, tout va bien. Ensuite, ce matin, papa, il t'amène à l'école. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je monte pour aller chercher Nono. Et là, je sens la crotte partout dans la chambre. La crotte. Monsieur Nono, il avait inondé son lit de crottes partout dans son lit. T'avais fait une hécatombe de crottes dans ton lit. Donc là, obligé de mettre Nono dans la baignoire, de prendre le linge, de tout mettre dans la baignoire. Allez hop, on enlève tous les draps, on refait encore une machine. Ouais. Bah Nono, il a été dans la baignoire, je l'ai lavé. Il avait de la crotte, en plus de ça, la crotte, elle avait collé à ses fesses.